Nous avons pris note de ces nouvelles qui se sont succédées, exposant au monde la sombre histoire des violations des droits de l'homme au Canada. Nous espérons que le gouvernement canadien présentera non seulement des excuses verbales et rendra une justice rapide, mais aussi qu'il prendra des mesures plus efficaces pour éclairer les faits et désigner les responsables, qu'il apportera des compensations et introduira des politiques pour protéger efficacement les droits de ces populations autochtones.